Tu prends un coup dans la gueule et tu perds un point d'armure. Encore? Oh! L'armure est endommagée encore ou pas? Oui, du coup, Oui, moins c'est 2 maintenant. ça, donc tu passes à moins 2. Bon, bah, de Non, toute tu n'es pas mort, Glacial. façon. Donc là, on Bon, du retourne. coup, je recule sur quelques mètres, du coup, je pense. Tu recules d'un mètre, ouais. Vu que ton armure a pris tout dans la gueule pour le moment, c'est pas trop gênant. Ça va être à toi, Wilbur. Sauf que on avait dit tu prends un tour pour régénérer ton souffle. Voilà, donc Donc là, c'est t'es en pas mode. très Xartorion, suite au coup que t'as pris et qui t'a poussé un peu en arrière, tu grave. auras que la moitié de ton mouvement de disponible. 2 mètres, ouais, je vais pas avoir la distance pour le taper là, je pense pas. Oh non, 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 je vais pas pouvoir. Bon bah j'ai profité de reculer d'un mètre, on va dire, sur le côté. Par là, peut-être. Et je vais essayer de lui jeter ma fiole d'eau bénite. Ah non, encore une? J'en ai encore, j'en avais pris deux. Ah, saleté. Vas-y! Donc je vais là, à lancer de Et force, j'en ai une simplement. eau bénite aussi d'ailleurs. Ah, bon bah, on va l'asperger. Bah, Allez. je suis clair que. Heureusement que j'en ai. Tu le touches. Bah voilà, bon, je suis plus d'eau bénite du coup. Ok. Tu y lances ta flasque bénite sur lui. Elle explose. Et là où elle est tombée, vu que le corps est assez massif, tu vois que ça fait comme de la corrosion et que certains ossements tombent, mais pour le moment, ça n'a pas l'air de lui faire ni chaud ni froid. C'est quelle zone plus ou moins qui est touchée? Parce que si c'est un point de fragilité, autant continuer dessus quoi. Lui a touché à peu près vers le torse, niveau D'accord. le plein milieu, quoi. Tu as vraiment pour Donc la boule de sécuriser ton feu, tir. celle-là. Ça va être ta brande de mémoire? Mais écoute, moi je lui crie que cherches-tu créature d'os? Et puis au passage, je balance une boule de feu là. Le nombre de boules de feu qu'il aura balancé. C'est ça. Mec, c'est un Pokémon, quoi. Donc, tu incantes ta boule de feu, tu vises l'ennemi et tu lui balances dessus. Elle lui arrive dessus, elle explose et tu lui infliges 12 points de dégâts. J'ai une question. Oui? J'ai l'air Oui. d'avoir vraiment fait mal à la créature ou. Alors quand ta boule elle explose, tu vois que une, il n'a pas eu réellement de réaction, mais que tu lui as fait tomber encore quelques morceaux d'os avec juste avant la flaque d'eau bénite. Et par-dessus, quand tu lui as parlé, il n'a pas prêté attention. Donc à toi, Glacial. À moi. Ok. On va tester un truc, hein. Je vais lui faire une pénitence sacrée sur le moment. Et on va voir si je peux lui faire des dégâts. Tu incantes la pénitence sacrée sur l'ennemi. Et tu remarques que tu voulais lui infliger des points de dégâts, mais que c'est plus la partie qui est censée soigner qui lui fait plus de points de dégâts. D'accord. Donc il a été sensible à tes dégâts de la lumière, plus que tes dégâts sacrés habituels avec ton sort. Donc tu lui infliges 13 points de dégâts. Donc là, ça va être au monstre. Au tour, donc ta pénitence disparaît. Après le coup qu'il a subi de la boule de feu, il avait légèrement tourné vite fait la tête vers toi. Et là, après le coup qu'il vient de prendre de la pénitence qui était un peu plus élevée, il commence à s'avancer vers toi, Glacial. Il s'apprête à te donner un coup. Aïe. Aïe aïe. Je vais Il prendre te cher. touche et tu prends 11 points de dégâts, en plus de reculer de 2 mètres. Et vu que t'es même en Ouh. tissu, tu recules de 3 mètres, donc tu te retrouves ici. Oh, il rigole pas. Ah, ok. Très bien. Super. J'ai pris combien? 11? Oh là là. C'est pas comme si t'avais Ouf. beaucoup d'armure non plus, hein. Oui, c'est sûr. Ça va être à toi, Wilbur. Moi, je vais essayer de grimper sur lui. Je suis à 6 mètres de lui, je vais essayer de grimper sur lui. Agilité. Et dans son dos, tu peux mettre un bonus de 5 aussi.
Tu réussis pas. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu arrives sur lui au corps à corps. Tu essayes de monter, mais tu vois que tu sautes, mais tu loupes et tu arrives vraiment en dessous de lui, limite, et dans son dos. Et vu que tu as perdu l'équilibre, tu n'auras pas d'autre action possible ce tour-ci. Ok. Ça va être à toi, Xartarion. Alors normalement j'ai la distance, là j'ai 3 mètres environ, 3-4 mètres. Ah c'est bon, t'as récupéré ta mobilité. Donc je fonce sur lui au niveau de sa jambe et je lui... Donc ici. Et là, bam, dans la baffe, dans la patte. Tu attaques l'ennemi au niveau de sa jambe, tu lui fais donc 4 points de dégâts. Et tu sens que tu l'as fait légèrement vaciller, mais sans plus quoi. C'est vraiment, tu as enlevé quelques os au niveau de sa jambe quoi. Ouais, c'est pas terrible. À toi de jouer, Brand. Du coup, je sais pas trop ce que je peux faire à part une boule de feu. Hein. Je me décale un petit peu, toi, pour vraiment. Dans son dos. Pas que j'ai un allié dans mon champ de vision quoi. Ça serait marrant si tu passes à côté et puis ça touche le glacial au fond. Ah mais non. Ouh, j'ai des allez, 50%. Ça va être plutôt un test. Là, je vais lancer un dé basique. Vous êtes deux sur la trajectoire. Donc, 33 et moins, tu t'infiges le sort dans la gueule, il t'explose dans la main. 34 à 67. C'est Zatorion qui prend dans la gueule. Oh. Et 68 à 100, c'est Glacial au fond qui prend dans la gueule. Ah, sur ma mouille, voilà. Donc tu viens, tu incantes une boule de feu, tu dis c'est bon, je l'ai. Et elle va en direction de Zatorion et elle explose. Oh shit. Zatorion, tu viens de te prendre. Voilà, c'est ça, tu te prends 13 dans la tronche. Moins très hey, avec la fumée autour, tu sais. Ça. Glacial, ça va être à toi. Ouais, je suis pas bien. Alors je vais me faire un sort de soin. Prête à soigner. Et tu te loupes complètement. Alors. Et tu soignes de nouveau le boss. Ce qu'il se passe, c'est que t'invoques la lumière de soin autour de toi. Et avant qu'elle te soigne, elle disparaît. Soigne toi pour toi. Oui. D'accord. Autour du boss. Le boss se retourne vers toi, Xartorion, parce qu'il a reçu qu'un seul coup de toi, pour l'instant. Et il va tenter un coup de griffe. Hein. Il te touche. Et il t'inflige un point de dégâts. Aïe, ça y est, mon armure elle commence à plus valoir un rond. Tu repères un point d'armure et t'es encore envoyé à un mètre. C'est pas possible. Will be. Je vais refaire. Tu veux remonter, c'est ça? Ouais. D'accord, bah vas-y, essaye agilité. C'est la deuxième fois que tu tentes, donc maintenant tu commences à comprendre un peu les comment ses ossements sont positionnés. Et t'es dans son dos toujours, donc je te remets un 5% de chance de toucher, de pouvoir monter correctement, donc sur l'agilité. Ok. C'est bon, c'est passé. Donc tu te retrouves en haut, je pense, au niveau des épaules, en fait, derrière sa tête. Yes. Et qu'est-ce c'est que tu parfait. Veux faire? Je dégoupille la potion que j'ai et je lui éclate ça sur la tête. D'accord. C'est ce que j'ai loot dans la bourse. Moi, avant de savoir ce que ça fait, je fais un cri de joie parce que je trouve ça magnifique. Abattez-le, les Golas, abattez-le. J'ai retiré ma potion de mon inventaire. Tu éclates la potion de vie sur le crâne. C'est ça. Pas mal d'ossements tombent d'un seul coup de son crâne. Et tu sens qu'il a pris quand même pas mal de points de dégâts. Et tu comprends très vite qu'à cause de la potion que tu as explosée sur la tête, il a perdu beaucoup de points de vie. Et que il risque d'être plus sensible à des attaques au vu de toute l'armure qu'il vient de perdre d'un coup.
Donc ça va être à toi de jouer, donc après c'est Xatorion. C'est ça. Alors je vois que ça a fait de l'effet la potion. Oui. Bah je reviens en contact sur lui et encore une frappe du croisé. D'accord. Ouh. Mmh, ouf. Enfin une bonne attaque. Alors tu lui donnes un énorme coup par rapport à l'attaque du monstre, tu lui touches encore à peu près, tu sais, les jambes, le haut des cuisses, des trucs comme ça, ce que tu peux considérer comme une cuisse. Genre, tu lui détaches des morceaux d'os et tu lui infliges un certain nombre de points de dégâts quand même. Et tu sens que il a perdu légèrement en mobilité. Ah. Ça va être à toi de jouer, Brand. Oui, ouais, j'hésite grandement quand même. J'ai deux alliés au corps à corps. Oui, ne recommence pas. On est sur des bons jets là. Moi, je te propose de refaire ce que tu sens qui est le mieux. Voilà, une bonne boule des familles comme les familles. Ouais. Je vais te faire confiance. Je vais lancer une petite boule de feu. Et voilà. Tu invoques une boule de feu. Cette fois, tu te concentres, tu veux vraiment pas toucher tes alliés. Tu veux pas que cette erreur se reproduise. Il en va de ton honneur. Mage. Tire ta boule de feu sur le boss. Elle lui explose au niveau. C'est juste un peu au niveau du menton, entre le torse et la tête. Et tu lui infliges quand même pas mal de points de dégâts. Tu sens que cette fois, tu lui as fait quelque chose. Je le sens. Et à toi, Gracel. Bon. Je vais faire mon rôle de soigneur, je vais soigner mon tank quand même. Ah. Et pas penser qu'à ma gueule. Oh putain. Eh bien non. Alors tu invoques une pénitence sacrée en direction de Xatorion, mais à la place d'arriver à destination, elle s'arrête devant. Comme si qu'elle soignait dans le vide. Donc là elle soigne dans le vide et elle disparaît. Bon, j'en ai marre de balancer ma mana dans le vide là. Pour faire un truc, au corps à corps, je sais pas, viens taper avec tout le monde. Là, il me met encore un coup, je suis par terre là. C'est ce que. Bah, t'es dead, je crois. Donc... Je vois le masque qui me fait une boule de feu, je me la prends, il y a le soigneur qui me lance un sort, je vois qu'il s'arrête à 2 mètres de moi. Pourquoi? C'est parce que t'es trop petit en fait, t'es passé juste au-dessus de toi. Le monstre devant vous, l'immonde qui est devant vous, il va tenter de donner en fait un coup de bras, enfin un coup de griffe au-dessus de lui pour dégager la personne qui est dessus. T'as failli prendre un critique dans la gueule quand même. Alors, il donne un coup et il te propulse. Et vu que normalement c'est 2 mètres mais que t'étais sur lui, qui était déjà à plus ou moins 2-3 mètres de hauteur, va un peu plus loin. Je pouvais pas esquiver ou... Tu m'as pas précisé que tu serais en posture défensive et de plus t'étais monté plus avoir posé la potion, donc tu pouvais pas. Ouais, y'a pas de soucis. Donc là tu vas te prendre 11 points de dégâts. Juste un dé de 3 parce que t'es tombé d'une certaine hauteur. Donc tu te prends 13 points de dégâts au total. Et le tour prochain tu ne pourras pas... Enfin tu pourras te déplacer mais que la moitié de ton déplacement total à cause de la chute. Ok. C'est après une sacrée claque. Bah oui. Et d'ailleurs c'est à toi. C'est à moi. Bah du coup je reste à terre, hein, de toute façon je... Non, je vais me rapprocher de lui et faire une attaque normale. Normalement, en temps normal, je veux dire, je t'aurais mis un bonus parce que t'es dans le dos. Mais là vu que t'es tombé, t'as pris un sacré coup, t'auras que la moitié du bonus, t'auras que plus 5. Donc je fais attaque mêlée... Voilà, attaque mêlée, puis change de toucher 5, en plus, quoi. Donc plus 5. Donc, tu lui portes un coup dans le dos, tu lui détaches quelques morceaux d'os au passage, et tu lui infliges 5 points de dégâts. Yes. Et il n'a pas senti énormément le coup. Ah. Il a combien de vie, ce truc? Alors... Ça va être à toi, Xatorion. Je vais peut-être essayer de me mettre en blocage cette fois. Bah, en position défensive, pour attendre le prochain coup qui va m'arriver. D'accord. Et ensuite juste, je vais mettre bien sur mes appuis, puis je vais attendre avec mon bouclier.
Alors n'oublie pas, t'as le droit à deux actions. Ouais, mais sinon, ça n'a pas quoi faire d'autre, quoi. Ça bah, peut lui tape bah, un coup normal au pire. Un coup, ouais, bah, une petite attaque de mêlée normale. Je pense pas que ça veut lui faire grand chose. Allez. Ah, j'aurais pas dû. T'essayes de le frapper, ça ne fonctionne pas. Et après ça, tu lèves ton bouclier, tu te mets sur tes appuis, t'attends le prochain coup qui arrive. C'est ça, c'est tout. Ça va être à toi, Brand. Vous avez rien, vous avez rien. Je me déplace toujours un petit peu, histoire de pas trop les avoir dans le champ de vision. D'accord. D'accord. Donc, plutôt comme ça. Ok. Et sur le côté, il y a deux personnes qui viennent d'essayer de l'attaquer, t'as encore 10% de chance de toucher. Oh, ah, oh là, il est mort, c'est bon. Finish him, finish him. Tu commences à invoquer une boule de feu, et tu te dis, je peux encore mettre plus, je peux encore mettre plus. Elle grossit, et au bout d'un moment, quand tu sens qu'il y a le point de rupture que tu vas atteindre, tu lances ta boule de feu sur le boss, elle explose. Et tu lui infliges 34 points de dégâts. Tu vois que tu as enlevé plein d'os, mais vraiment. Et que il l'a senti passer. Il commence à fléchir un peu le genou. Il est pas mort. Non, c'est pas possible. Et là, il reste plus glacé à la jouer ce tour-ci. Oh là là. Je sens qu'il y en a un dans le dos là, il est pas bien. Je vais le soigner parce que. Et moi je vais me prendre une patate là, putain. Mais non, t'es en défense donc ça, t'auras un bonus de défense. Et si t'essayes de prendre la créature et Wildur dans ton. Oh putain. Oh la vache. Oh l'échec critique quoi. Oh non. Alors là, il y a trois possibilités. T'infliges 12 points de dégâts à toi-même, t'infliges 12 points de dégâts à Wilbur. Pas Wilbur, à Xatarion, t'as essayé de soigner. Non, c'est Wilbur qui a soigné. Donc, ok. Donc, soit tu infliges 12 points de dégâts, ou soit c'est le boss qui prend de 12 points de vie. Tu récupères 12 points de vie? Ça marche comme ça, hein, le sort. Et c'était... Ah bah, putain, la boule de feu leur a servi à rien. C'est ça. Je vais lancer. Donc 33, c'est toi. Le deuxième et la fin, c'est le boss, hein, comme tout à l'heure. Il faut que ce soit le boss qui la touche. Ah, oui, le meilleur. Donc là, ce qui se passe. C'est pas grave, merci quand même. D'avoir essayé de. Il invoque une pénitence. Pour toi. Et il s'est trompé. Normalement, elle est censée soigner. Mais il a insufflé de la magie qui est censée faire des dégâts. Et à la place, il t'inflige 12 points de dégâts. Tombe au sol, mais tu es dans le coma, tu es à zéro. Donc tu n'es pas mort, mais t'es tombé inconscient. Ok. Ça va être au boss de jouer. Donc allez, le monstre se met, pas en boule, mais il se met accroupi. Et il va tenter quelque chose. Pour l'instant, il commence à invoquer un cercle, mais il ne fait pas de dégâts. Mais il utilise sa mana dedans. Donc là, ça va être à vous de jouer. Wilbur, Dodo. Ensuite, Xatarion. Est-ce que j'ai encore la place pour passer entre ses jambes? Oui, il y en a. Bah, alors je. je chope Wilbur et j'essaie d'aller le plus loin possible que tu me permets avec Wilbur dans les bras. Bah, à la limite, je laisse tomber ma masse pour le prendre sur mon épaule. Ça va être surtout test de force pour savoir. À combien de mètres tu peux l'emporter avec ta force, tout simplement. Putain, l'enfoiré. Alors là, ce qu'il se passe, je considère que tu vas utiliser ta course au total, parce que si oh, tu... Oui, fais... là, je fais tout mon donc, truc, c'est juste de m'éloigner avec Will. Tu le soulèves sans aucun problème, et il te reste donc 7 mètres à pouvoir faire autour de là où tu es actuellement. Mais le temps prochain, tu pourras rien faire. Bah, je vais l'amener sur notre soigneur, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il a une potion sur lui, je me dis peut-être. Donc, mets ici à côté alors. Ouais, et Wilbur avec moi. D'accord. Ok, donc Brand. Boule de feu. Je me sens un peu tout seul là où je suis, donc je vais me décaler.
Ok, et ensuite? Mieux du Tados. D'accord, d'accord. Oh, c'est raté. C'est pas un échec critique. D'ailleurs, tu m'as pas demandé, t'as été trop vite. T'es dans son dos, toujours. Et dans ton dos, j'ai dit qu'il y avait 10 de bonus, et tu les as pas mis. Donc, tu invoques ta boule de feu, puis il tire dans son dos, puis inflige 17 points de dégâts. Ah oui, et il a vraiment plus d'armure, quoi. Non, non, c'est mes boules de feu, elles sont très puissantes. Ça va être à toi, Glacial. Essaye de le soigner cette fois. Bah, j'aimerais bien soigner encore une fois, mais. T'as pas de potion, t'as rien sur. J'ai pas de potion, j'ai une potion de mana, mais j'ai pas de potion de vie. Parce que je me suis dit, ben, j'ai un peu des sorts qui sont faits pour, donc. T'aurais bien emmené une pour ce moment. D'ailleurs, ah, est-ce qu'un kit de survie peut faire le. Ah bah non, c'est pas. Pardon. Non, c'est pas pareil. J'ai pas trop le choix. Là, ce serait bien quoi qu'on récupère notre compagnon. Tout s'il faut courir, je vais peut-être pas pouvoir courir longtemps avec lui dans les bras. Tu fais que ça du coup. Donc là, une lumière bénite, une lumière sacrée apparaît autour de Wilbur. Wilbur, tu te réveilles. Mmh. Tu récupères 10 points de vie. Merci. Et tu pourras te relever, enfin tu pourras faire qu'une seule action au prochain tour. Tu viens de te réveiller, donc tu pourras soit te déplacer ou autre, mais tu pourras faire qu'une seule action. Je te mets des petites claques sur le joue. Allez gamin, nous lâche pas. C'est clair. Ça va être au tour du boss. Oh, puis là, il voit mon dos, le boss. Le cercle qui invoque continue à grandir. Oh là mais là. Pour l'instant, ne fait toujours rien. C'est à vous. Ça va être à toi, Wilbur. J'ai qu'une action à faire. Moi je dis que c'est le moment de l'achever, hein, parce que là il est en train de faire un cercle, il grossit, mais. Je me mets en position de parade au cas où. D'accord, posture défensive donc. Posture défensive. D'accord, ça va être à toi, Xatorion. Toi tu es dans la zone et pour l'instant elle ne te fait rien. Je sors de la zone et je me retrouve face à elle. Puis j'essaie de comprendre ce qui se passe visiblement. Mais c'est tout quoi, je peux rien faire de plus. D'accord. Donc après c'est avec Brand. Bah écoute hein. Pas une blague, hein. Bah oui. Mais par contre je vais faire que ça, je me déplace pas. Donc ça me fait des. Oui, donc tu étais toujours dans son dos, donc 10% de chance de toucher. Et si tu fais qu'une seule action, tu rajoutes 10 en plus. Hein. Ok, bah dans tous les cas, donc tu touches. Tu invoques ta boule de feu. Tu vises. Le boss dans son dos, lui tire ta boule de feu et tu lui infliges 15 points de dégâts. Il était déjà, tu sais, à moitié accroupi. Là, les deux genoux tombent à terre. À toi de jouer, Glacial. J'arrive pas à voir la vie de notre cher, cher paladin. Non, ça va là, je suis sûr positif. Non, je suis bas, ouais. 23. Bah, ouais, 6. Ouais, je vais encore soigner Wilbur parce qu'il est toujours pas. Hein? Merci. Alors, un petit. Ouais, je vais faire un soin. Un soin. Il est chaud. Tu invoques une lumière sacrée autour de Wilbur. Et tu soignes donc de 8 points de vie. Nickel. Merci. Autour du boss. Il a pris un coup juste avant, quand même, ça fait 2-3 coups qui prend à la gueule derrière, là. Il commence à m'avoir. Je me doutais que ça allait finir comme ça. Donc, il avance, t'avances, ta mère. Il n'y avait pas de toucher, là, je pense pas, quand même. Hein, je sens tellement que le rond, c'est un sort de vol de vie, c'était dedans, quand ça 50, il récupère des PV par rapport. Un truc bien sale, comme ça, tu vois. Là, il réussit son aura d'invocation, enfin de. Son aura de décomposition, c'est là. Il n'y a pas de triche, il est vraiment au centre. Et toi, bah, t'es au rebord du cercle, tu vas te prendre les dégâts. Brand. Tu te prends 16 points de dégâts. Aïe aïe aïe. Et là, il pose ses deux mains, enfin ce qu'on peut considérer ses deux mains. Au sol rapidement. Donc là, c'est le moment le coup de grâce.
Donc là, on arrive sur un nouveau tour. Ça va être à Wilbur, oui, Wilbur de jouer. Je vais le charger. Hein, D'accord. Et au passage, je remercie le clerc en même temps. Il a un avec plaisir. Merci. Et je repars vite fait au corps à corps. Donc là, il est dans le dos. Tu fais que l'action de charge, donc tu peux rajouter 15. Ok. Tu cours dessus de toutes tes forces. Tu rentres dans la zone, tu arrives derrière lui, et en fait, tu le loupes parce que tu viens de comprendre pourquoi tu l'as loupé. C'est qu'avant d'arriver sur lui, t'arrivais à peu près ici, tu t'es pris 16 points de dégâts. Évidemment. Ah oui, la zone n'est pas terminée, merde. Non, mais attends, oh là là. Le mec, il... Oh là là. Il m'a pris deux tours pour soigner tout ça. Je suis désolé. Non, c'est-à-dire que y a que nos casters qui peuvent faire quelque chose. Le mec, en une seconde, il a perdu tout. Quoi, attends, il a quand même fallu un petit mètre à l'intérieur pour prendre les dégâts. On s'est fait avoir. Toi, t'as fait Leroy. Littéralement, Leroy Jenkins. Comme ça, t'as fait. Oui, le mur. Xatorion a très tué. Il a fallu combien de temps en rentrant dans la zone pour prendre les dégâts? Instantanément. Presque instantanément, mais vu qu'il était en mode charge, il courait, il a pas fait tout de suite attention. Surtout qu'il sort du coma, il était à moitié dans les vapes encore. Du coup, je serais bien allé le chercher pour le ressortir. Laisse-moi dedans. Je regarde loin le boss, puis je joue, c'est tout ce que je peux. D'accord. À toi de jouer, Brand. Oh bah moi j'ai marqué un chouïa hein. Et puis boule de feu. D'accord. Je soulignerai juste que au début on disait idiot et pleutre. Bon, huile dure il est peut-être pas pleutre, mais bon le reste. Voilà. Oh, t'es pile à 10 mètres, t'as de la chance. Donc y a pas de malus. Ouais, c'est ce que je voulais regarder en fait. T'as de la chance, c'est pas un échec critique. Donc là, tu tires ta boule de feu, elle rentre dans la zone, elle passe au-dessus de lui et la boule de feu s'évapore. Donc ça va être à toi de jouer Glacial. Soigne-le. J'aimerais bien soigner Wilbur encore, mais bon. J'avais juste une petite question, est-ce que j'aurais le temps de ressortir du cercle ou pas du tout? Tu paieras à ton tour. Il n'y a pas eu de jet de perception ni rien, donc Si le poison dure encore un tour, il va mourir s'il ressort pas, donc re-soigne-le un petit coup pour qu'il puisse au moins ressortir vivre. Ok, je vais tenter la pénitence sacrée. Savoir, tu fais que ça ou pas aussi, n'oublie pas. Oui, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Non, après je vais utiliser une potion de mana. Allez, s'il te plaît. Ah. Oui, oh bien. Donc ça veut dire que là, il invoque une pénitence sacrée en ta direction, Wilbur. Mm-hmm. Et tu sens comme un regain de vitalité. Juste avant d'avoir... Ton clerc vient de te soigner. Merci. Voilà. Ça va être au tour du boss. Au moment où c'est au tour du boss, la zone commence à s'effriter et à le disparaître. Ah bah c'est bon, au final, t'es obligé de le soigner. J'avais dit, hein, j'ai de perception, mais personne n'a voulu faire. Alors, il se lève. Il se relève doucement. Il récupère un tout petit peu de son mouvement. Et il va commencer à aller vers toi. Ne dis pas qu'il a quand même pas récupéré les 24 PV des deux autres choux. Putain, vache, il faisait pas vite le chou. Ah, il a fait 3 mètres, voilà. Enfin, je crois qu'il a récupéré vos PV. Bah ça va être à toi de jouer, Wilbur. Là, tu peux foncer. Alors, juste avant, je vais faire... Est-ce que il semble un peu plus énergique? Je peux te répondre à ce genre de question si c'est un jet de perception qui te prendra une action. Ouais. Pour toi, tu sens qu'il est en pleine forme.
Ouais, je pourrais le charger, je vais essayer de le charger. C'est une double action que tu as fait avec la perception. Il n'y aura pas de bonus à part les plus 10 dans le dos. D'accord? Ouais, il n'y a pas de souci. Ça va quand même. Tu lui sautes dessus, tu lui cours, tu lui cours dessus, tu lui sautes, tu plantes tes dagues dans le dos et tu te laisses glisser et tu lui arraches quelques morceaux d'os. Il l'a senti passer, tu le sens. Hein. Tu sens qu'il a vacillé un peu quand tu lui as sauté dans le dos. D'accord, ok. À toi de jouer. Est-ce que j'ai la portée pour ma charge? Je crois que c'est 8 mètres ta charge, donc si tu cales bien ton truc, t'as bien 8 mètres. Hein. Ouais, normalement ça, j'ai 7,8 près. Ouais, 8,6. Moi je vois 8. Hein. L'entrée de son dos et le début de ta marche, je vois 8. Hein. Enfin, tu montes pas non plus sur l'elfe, non mais oh là. Pardon. Tu peux, voilà. Aïe. Vas-y, je te laisse faire l'attaque. Oh, putain. T'arrives en bourrin dessus. Tu lui arraches la jambe. Tu prends ta masse, tu sautes. Donc on va dire que tu lui donnes un énorme coup. Il affiche quand même le double de tes dégâts, donc c'est 12 points de dégâts. Et au vu du critique, tu lui arraches une jambe. Ah! Et là, je regarde Wilbur, c'est comme ça qu'on fait. Nya 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 nya. Ça va être à toi, Brand. Oh là là. Il est tombé à terre, donc là. Les deux qui sont derrière lui ne peuvent pas se faire toucher en théorie par un de tes sorts. Normalement. Non, même s'il fait un échec critique, il peut pas toucher en fait. C'est pas ça au-dessus. Ça va toucher le pauvre. Mais écoute, c'est sûrement la dernière, hein, donc. Je ne bouge pas et puis je me laisse bouger. Les plus 10, et vu qu'il vient de prendre un coup et qu'il est immobilisé, tu passes à plus 20. Un monstre immobilisé, vous gagnez plus 10% de chance de toucher. Ah, bien. Donc vous pouvez y dire merci à son critique. Oh, c'est dommage, un peu de choses près. Putain. Ouais. Ça aurait fait 34 par sa moule. Et en fait, t'as voulu le feu, tu lui envoies dessus. Tu lui tapes dans l'épaule et tu lui arraches un bras. Il lui reste de la mana, lui, là. Hein? Ouais, là, c'est son dernier, je crois. C'est son dernier, je crois. De plus, tout à l'heure, tu avais oublié de me le dire. Quand tu as fait un critique, n'oublie pas que ta désorientation sur tes sorts. En fait, te permet, dès que tu fais un 15 ou moins, de faire un malus sur le boss. Le boss, le tour suivant. Le tour suivant. Il est. Stun. Donc là, ça va être à toi, Glacial. Ok. Alors, je regarde. Est-ce que... Oui, oh, je peux l'atteindre. Bah, je vais le soigner. Non, je vais essayer de te soigner. Avec quoi? Oh, un soin. D'accord. Et est-ce que tu feras une autre action après ou pas? Et non. D'accord. Donc, n'oublie pas les plus 10% de toucher. Oui. Et tu le fais sur qui, d'ailleurs? Sur... Sur les paladins, Xanatorn. D'accord. Donc tu soignes, tu incantes ta lumière divine autour de hier, tout simplement, autour de Xanatorn. Et il se fait soigner de 7 points de vie. Ah. Autour du boss, il somnole un peu, il bouge un peu. Enfin, il bouge un petit peu comme ça, il rampe un petit peu. Et il s'arrête de bouger. C'est à toi de jouer, Wilbur. Attaque normale. Hein. Et ce sera ma seule action, du coup. Une attaque basique. Oh. Tu lui portes un énorme coup avec ta double dague. Et... lui arrache quasiment tout l'arrière et le monstre tombe au sol. Il l'a disloqué. Ah ouais, GG. Dab. Ouais, bah, avec tout ce qui t'est arrivé, je serais pas le mec. Non, ouais. Le mec, il ose me dire dab après avoir marché comme un idiot dans le truc.
bordel. Ah là là. Non, je fais pas, je fais pas de dab. C'est vraiment un roublard, lui. Juste genre, tu montes légèrement son dos, t'as les cheveux. Non, je suis essoufflé. Ah, enfin. Oh non, c'est quoi ces bruits là? Vous entendez au loin des ronflements, des cris. Oh, merde. Donc, dès que le monstre meurt, de grands boules se font entendre au loin et diminuent avec le temps. Et ils repartent. D'accord. Donc on va faire un tour de table pour savoir ce que vous voulez faire dans l'ensemble là à partir de maintenant. Et ensuite on verra. D'accord. Donc on va faire le tour de table habituel. Wilbur, tu veux faire quoi? Je me dirige ici. Alors attends. Ici, je suppose. J'ai vu ta flèche. Voilà. Ok, je te laisse te déplacer. Ensuite, Xatorion. Je mange une pomme que j'avais pris au début. D'accord. Tu veux que ça va être un petit repos basique avec une pomme, je fais un. Je suis juste assis par terre et je bouffe ma pomme. Ok, donc toi, Brand, tu veux faire? Moi, je vais. Alors, est-ce que sur les créatures, il y a un moyen de récupérer des trucs sur. Toi, je récupérerais bien tous ces chicots pour en faire un collier, tu vois, une espèce de fil. Tu peux récupérer des morceaux d'os qui peuvent t'intéresser. Tu te le notes dans l'inventaire. Et selon la quantité, par morceau d'os, tu comptes 500 grammes. Donc, selon le nombre, tu mets le nombre, quoi, tout simplement. Ok. Et ensuite, Glacial. Moi je vais aller soigner Brand là parce que j'ai l'impression qu'il va pas très bien. Je fais juste ton jet pour savoir si tu fais un échec critique, ça serait drôle. Sinon, même si c'est un échec normal, tu le soignes. D'accord. Vous êtes plus en situation de stress là actuellement, donc. Ouais. Laisse te déplacer jusqu'à lui là. Hop. Ouais, bah merci. Je vais lui faire un. Une pénitence sacrée histoire que ça le remette bien. Ok, ouais, bon bah tu mets un bon 15 points de vie. Bien quand tu lui mires autour de lui, tu lui donnes 15 points de vie. Yes. Et en allant vers lui, tu as pu remarquer que ici derrière il y avait une porte. C'était une porte de sortie. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait une. Personne n'a fait gaffe à cette porte. Le pleutre est l'idiot. Je répète, le pleutre est l'idiot. Attends, tu veux me dire qu'on aurait pu partir sans pote? Oh mon dieu. C'est pas bon, on a dû quand même grinder pas mal d'XP du coup. Oui, d'ailleurs, vous pouvez tous, sauf Glacial, toi qui étais déjà niveau 2, vu que c'est ton ancien personnage. Tu auras gagné une partie d'XP de ton niveau 2, mais tous les autres vous gagnez le niveau 2. Yes. Donc du coup on peut se mettre. Qu'est-ce qu'on gagne au niveau 2? Je vais vous dire. Plus 3 en perception ou en social. C'est ça, donc de base vous gagnez plus 3 soit en social soit en perception, donc il faut rajouter la stat. Et par-dessus, vous allez gagner aussi 3 points de statistiques au choix, c'est-à-dire soit en vitalité, soit en sagesse. Vous pouvez répartir les 1, 2, 3 points selon ce que vous voulez, mais au maximum 3 points. Ok, donc là vous avez gagné votre niveau. Ici, toi, Wilbur, c'est vraiment que des petites pièces à l'intérieur, à terre. Donc ça fait que par personne, vous récupérez une pièce d'or et 146 pièces d'argent. Ok. À rajouter à votre total de pièces actuelles, chacun. Donc une pièce d'or et 146, c'est ça? Ouais. Donc là, il n'y a plus de pièces à terre. Hein. Je vais pas m'embêter à les enlever une par une. Hein. Ouais, non, t'inquiète. D'accord. Alors, là, on va. Il y a une porte ici. C'est la seule sortie qui vous reste. Donc je vais vous faire sortir de la porte. D'accord. On voit. Est-ce que je peux. On voit rien d'autre d'intéressant? Non, c'est pour ça que je vous ai donné l'info. Ouais. Tout autour de vous, il n'y a plus rien. À moins que vous voulez faire une action particulière, il faut me le dire, sinon je vous fais tous sortir. Gifler le mâche-feu parce qu'il m'a tiré une boule de feu. Non. Est-ce que je peux offrir une pomme au soigneur du fait qu'il m'a. Je peux très bien lui donner une pomme si tu le souhaites, oui.
Ah, merci. Je savais bien qu'elle serait utile. Tu peux vous faire sortir ? D'accord. Ouais. Là, vous êtes dirigé vers la porte. Et je vous fais sortir. En remontant, vous entendez des petits... Mais vous les voyez, si vous regardez, ils sont en train de s'éloigner. Oui, devient de moins en moins fort. Parce qu'il recommence aussi à faire jour. Mmh. On a combattu pendant 8 heures. Vache. Ah, vous étiez dans des souterrains. Hein. Ah, ouais, non, c'est... Que... La notion du temps, on l'a un peu perdu. On a été dans une maison, on a plage du marché, on est descendu, on a sauté un pont. Enfin, je veux dire, ouais. Ah, on est tombé dans des trous. voilà, par exemple. Les monstres, vous ne les entendez plus. Et la lumière du soleil commence à percer la ville autour de vous. Ah, trop bien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la ville, vous l'avez quasiment fouillée en entier, entre guillemets, en étant poursuivie par les monstres. Donc la seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire le rapport à la ville, à vos guildes respectives qui vous ont engagé pour découvrir ce qu'il se passait dans la ville. Mmh. Vous gagnez tous 8 PO et 64 pièces d'argent. 64, ok. Plus 64. Je vais considérer, vu que c'est le début de la journée, que vous venez de sortir, vous êtes fatigué, que vous allez vous reposer un petit peu. Et vous reposez correctement. Donc vous allez tous au moins récupérer 50% de vos points de vie et 50% de vos points de mana. Avant de partir sur la route en direction de la ville, Kaïfir ou vos guildes respectives vous attendent.